Bon, eh bien, bonjour tout le monde, c'est Mohamed. Je vous fais cette vidéo parce que il y aura des changements qui risquent de affecter ma chaîne YouTube, des mesures, comme le confinement du coronavirus. Voilà. Vous savez, depuis plusieurs semaines, vous avez tous entendu parler du coronavirus, le Covid-19, qui a fait plus de 200 000 personnes contaminées et plus de 10 000 morts. À l'heure actuelle où je vous fais cette vidéo, il y a plus de 220 000 personnes contaminées dans le monde et plus de 10 000 personnes qui sont mortes du coronavirus. Donc, quel est le sujet de cette vidéo? C'est en rapport avec ma chaîne YouTube et également YouTube en Europe également. Ça concerne la qualité des vidéos sur YouTube. Ça va changer, il y aura des changements temporaires à cause du confinement du coronavirus et que comme nous sommes confinés chez nous, on utilise beaucoup plus souvent Internet qu'avant pour faire du télétravail ou pour regarder des vidéos sur YouTube ou sur Netflix ou d'autres sites des opérateurs des vidéos. Alors, c'est quoi ces changements? Je pense que vous avez lu l'article sur Internet concernant ce changement, je vais vous le montrer. Donc, je vais vous montrer l'article en question. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'article. Voilà, c'est l'article que je vous mets à l'écran. Voilà. Donc, ce que ça va signifier, en gros, YouTube va devoir réduire la qualité de tous les vidéos HD sur YouTube pour éviter la trop grosse consommation de connexion Internet. Puisque, comme vous le savez, avec le confinement, etc., on reste très souvent à la maison, donc on va beaucoup plus souvent sur Internet pour se divertir pendant qu'on est enfermé à la maison, ou alors pour télétravailler si on peut pas travailler. Voilà. Ces mesures-là que vous voyez, ces mesures vont devoir être appliquées à partir de maintenant, pendant la période de confinement jusqu'à la fin de la confinement jusqu'à nouvel ordre. Tous les vidéos qui sont en HD, donc sur YouTube 720p, 1080, 60fps ou plus, la qualité des vidéos YouTube seront réduites jusqu'à au moins 480p. Donc par défaut, si vous regardez une vidéo en HD, la qualité sera en 480p et je ne pense pas qu'on pourra remettre en HD, enfin je suis pas sûr. En lisant l'article, c'est écrit que la qualité sera par défaut en 480p, mais ça veut pas dire qu'on ne peut pas regarder des vidéos en très bonne qualité 1080p ou plus. En fait, ce que YouTube a fait, c'est que ils ont mis par défaut les vidéos qui étaient en 1080p en très bonne qualité en HD, ils ont mis par défaut en 480p. Pourquoi ils ont fait ça? En fait, c'est pour but de réduire la consommation d'Internet, comme vous le savez, depuis que nous sommes en confinement à cause du coronavirus. Beaucoup de personnes utilisent Internet en ce moment pour faire du télétravail ou quoi que ce soit, pour aller sur YouTube. Donc, pendant la période de confinement, les réseaux Internet sont surchargés, sursautés. Donc, pour éviter que Internet ne soit surchargé de trop, la qualité de toutes les vidéos... qui sont en très bonne qualité HD vont être réduites à 480p maximum. Et donc, vous ne pourrez pas regarder des vidéos en HD parce que ça consomme trop de connexion. Donc, si vous voulez lire l'article, je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez voir l'article du site BFS TV. Et voilà, petite dédicace de cet article. Voilà, j'espère que c'est possible. Donc, voilà, en gros... ce qui va se passer, c'est que à partir de maintenant, tous les vidéos, y compris mes vidéos sur ma chaîne YouTube, vont changer. Ça veut dire que à partir de maintenant, sur ma chaîne YouTube et sur YouTube en Europe, tous les vidéos qui seront en bonne qualité 720p, 1080p ou plus, la qualité sera réduite jusqu'à 480p pour éviter le surcharge des réseaux Wi-Fi de la connexion Internet. Pour éviter que Internet ne soit surchargé, puisque comme vous le savez, avec le Covid-19, le coronavirus, en confinement,
dans le confinement, tout le monde va sur Internet, soit pour faire du télétravail, pour travailler à l'école, etc. Ou alors pour aller sur YouTube pour regarder des vidéos, ou alors sur Netflix, Amazon, tous les sites des vidéos, partage, etc. Ben, malheureusement, les qualités HD 720p, 1080 et plus, la qualité sera réduite en raison pour éviter que le réseau Internet, etc., ne soit surchargé. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce qui va se passer à partir de maintenant sur la chaîne YouTube Omer The Show, toutes mes vidéos qui sont en très bonne qualité, 720p, 1080p, etc., la qualité des vidéos vont être réduite jusqu'à 480p pour éviter... voilà, pourquoi la qualité de mes vidéos vont être réduite comme ça, c'est parce que c'est pour but, pour limiter, pour éviter que la connexion Internet, la consommation d'Internet ne soit trop élevée. Comme vous savez, la consommation d'Internet a beaucoup augmenté depuis le début du confinement. Donc, pour éviter que Internet ne soit surchargé, qu'on n'a plus Internet, la qualité des vidéos sur YouTube et dans les sites Internet vont diminuer. Ils vont diminuer jusqu'à 480p, 360p, enfin, dans les qualités mauvaises, standards. Hein. Ce sera plus que les qualités standards, ce sera plus en HD, en haute définition. Voilà, donc, toutes les vidéos qui sont en haute définition, 720p ou 1080p ou plus, la qualité sera réduite pour éviter une grosse consommation d'Internet, parce que tout le monde utilise Internet lors du confinement et ça fait beaucoup. Donc voilà, je vous fais cette vidéo pour vous faire annoncer ces changements, ces mesures sur ma chaîne YouTube. Alors, les mesures sur ma chaîne YouTube, je vous ai dit, les vidéos qui ont une très bonne qualité, 720p, 1080p, la qualité sera diminuée, réduite. Pourquoi ? Ben, parce que tout simplement pour éviter une grosse consommation de Internet, parce que vous savez, on est tous confinés à la maison, on utilise trop Internet, et donc pour éviter une grosse consommation d'Internet, ce qu'on fait, ben, YouTube et les sites d'Internet vont devoir diminuer, réduire la qualité vidéo pour éviter le surcharge d'Internet. Voilà, donc du coup, je tiens à m'excuser, mais c'est comme ça. Donc voilà, à partir de maintenant, sur YouTube, toutes les vidéos qui seront en haute qualité, donc en HD, la qualité sera réduite pour éviter, voilà, en raison qu'on est tous en confinement, bah, malheureusement, YouTube a pris cette décision aujourd'hui. Donc à partir d'aujourd'hui, toutes les vidéos qui seront en bonne qualité, donc 720p, 1080p, 60fps, 30fps ou plus, la qualité sera réduite, c'est pour éviter pour éviter une grosse consommation d'Internet, parce que maintenant on va beaucoup plus sur Internet par rapport en avant, parce que c'est là, on est en confinement, ça fait des jours qu'on est confiné et c'est comme ça. Voilà, donc du coup c'est comme ça. Donc voilà, donc il y aura des changements, donc ça veut dire que à partir de maintenant, toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube Omer The Show, ainsi que les autres vidéos sur YouTube en Europe, la qualité sera réduite pour éviter que la consommation d'Internet ne soit trop important, donc c'est pour but de baisser la consommation d'Internet pour éviter que Internet ne soit saturé à force d'être trop sur Internet lors du confinement. Voilà, je sais, je suis vraiment désolé, mais ces changements, c'est obligatoire temporairement jusqu'à la fin du confinement. Donc ces changements seront appliqués pendant 30 jours jusqu'à la fin du confinement. Donc pendant 30 jours jusqu'à mi-avril, 19-20 avril. Toutes les vidéos sur YouTube en HD seront à 480p maximum et on pourra pas regarder en HD. Bon, par contre, en lisant l'article, c'est marqué que voilà, les vidéos seront mises par défaut 480p, mais on peut toujours regarder les vidéos en HD 720p, 1080p et plus. C'est juste que les vidéos sont en 480p par défaut. Quand vous regardez des vidéos de bonne qualité, par exemple 4K, ce sera en qualité 480p par défaut. Donc voilà, ces changements, c'est pour éviter qu'il y ait une trop grosse éviter une grosse consommation d'Internet. Donc ces changements sont faits pour éviter la grosse consommation. Bon, par contre, pour ce qui est des lives, pour ce qui est des streams sur ma chaîne YouTube, il n'y aura aucun changement, ce sera comme d'habitude.
Vous savez, quand je fais des lives sur ma chaîne YouTube, je ne peux pas faire des streams en haute qualité 720p 1080p parce qu'il y a plusieurs raisons. Ma connexion internet parfois est instable. Souvent, depuis quelque temps dans mes streams, souvent j'ai des problèmes de connexion. Le carré de couleur OBS Studio pour voir si la connexion va bien n'arrête pas de se mettre en rouge et de me déconnecter d'OBS. Donc je me déconnecte le stream. Donc voilà, donc les changements, les principaux changements, ce sera mes vidéos qui ont une bonne qualité 1080p ou 720p ou quoi que ce soit. Mes vidéos qui ont une très bonne qualité, bah, la qualité sera changée, ce sera en 480p, donc la qualité sera réduite. Et concernant les streams, ça va rien changer. Je fais des lives et je fais des streams sur ma chaîne YouTube en 360p. Je peux pas faire mieux comme qualité parce que avec ma connexion internet, etc. Et également pour faire le stream sur mon PC, les performances ne sont pas assez rapides. Donc, comme c'est un vieux PC de quelques années, donc mon PC est pas très rapide. Donc, je peux pas faire des streams en haute qualité sans problème. On va commencer comme ça. Voilà. Bon ben voilà, je pense que vous avez compris. Je mettrai le lien de l'article dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez en savoir plus de ce qui se passe. Voilà, à partir de maintenant, toutes les vidéos qui sont en HD, en haute qualité, etc., la qualité sera réduite pour éviter une grosse surcharge, une grosse consommation d'Internet. Parce que comme vous savez, avec le confinement, ben, tout le monde est sur Internet, soit pour faire du télétravail, pour travailler à l'école, etc., de loin, de chez eux, ou alors pour aller sur YouTube, se divertir, regarder des films. Donc, également, YouTube n'est pas le seul à faire ces changements. Vous connaissez tous Netflix, le service Netflix. Les programmes, les films, vidéos Netflix ont été réduites, leur qualité également, pour éviter une grosse consommation d'Internet. Bah, YouTube, il fait pareil. Bon, à partir de maintenant, sur Netflix, sur YouTube et sur les sites Internet, surtout en Europe et peut-être dans d'autres continents, toutes les vidéos qui sont en bonne qualité, 720p, 1080p, la qualité sera réduite. Pourquoi? C'est parce que, pour éviter une grosse consommation. Vous allez tous dire, mais pourquoi on peut pas regarder en HD? C'est quoi ce travail? Bah, c'est pour éviter, comme vous le savez, c'est comme l'électricité, c'est la même chose. Si vous mettez trop d'électricité, si vous utilisez trop de courant, bah, ça consomme et vous devez payer plus cher. C'est à peu près la même chose sur Internet. Si vous utilisez trop Internet, ça consomme beaucoup. Et c'est beaucoup. Voilà, bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, ces changements concernant la qualité de mes vidéos YouTube vont devoir être appliqués, ces mesures, pendant les 30 prochains jours. Ça veut dire que à partir de maintenant, quand je vais faire des vidéos sur ma chaîne YouTube, la qualité sera en 480p et pas en 720p ou 1080p 60fps. Pourquoi? C'est pour éviter de consommer trop d'internet, puisque vous savez, avec le confinement, qu'on est obligé de rester à la maison, on utilise beaucoup trop internet par rapport à avant. Donc on doit, il faut limiter la consommation d'internet. Donc si vous regardez des vidéos en très haute qualité, je vous conseille les amis de regarder en mauvaise qualité, en qualité standard, parce que sinon vous utilisez trop internet et c'est pas bien. Voilà, je vous oblige pas de pas regarder mes vidéos et les vidéos en très mauvaise qualité, mais c'est pour éviter, je vous conseille de regarder les vidéos en très mauvaise qualité pour éviter une grosse consommation d'internet, mais c'est comme ça. Voilà, en attendant les amis, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, merci en tout cas de votre fidélité. J'espère que vous allez comprendre ce qui se passe. Voilà, comme vous savez, malheureusement, le coronavirus, c'est quelque chose de très grave ce qui se passe actuellement. Donc, ces changements concernant la qualité des vidéos pendant le confinement. Donc, à partir de maintenant, jusqu'à nouvel an, jusqu'à que le confinement sera terminé, toutes les vidéos sur Internet en très bonne qualité, sur YouTube par exemple, la qualité sera réduite. Moi, ce que je fais avec ma Nintendo Switch, bon, il est en train de se recharger, je ne peux pas le prendre. Je regarde des vidéos en très bonne qualité parce que la qualité c'est très bonne. Mais malheureusement je vais devoir regarder des vidéos en 360p. De toute façon, comme je vous ai dit, souvent, depuis quelque temps, souvent quand je fais des lives sur ma chaîne YouTube, ma connexion parfois peut être instable parce que la box Wi-Fi est en bas et que je suis en haut dans ma chambre. Parfois je perds la connexion et quand je fais des streams, j'arrive pas à avoir une meilleure connexion. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà.
Bon, après, c'est la même chose. Quand je suis dans ma chambre, quand je fais pas des vidéos, des lives, j'essaie de regarder des vidéos en bonne qualité, mais je suis obligé de baisser la qualité parce que ma connexion est pas terrible dans ma chambre. Parce que la box wifi est en bas dans le salon et que je suis en haut dans ma chambre, je remontre. Bah, ça me c'est pas terrible. Maintenant, c'est comme ça. Bon, bref. Voilà, sur ce, les amis, j'espère que je vous ai éclairci, que je vous ai expliqué ce qui se passe. Donc, je vous souhaite encore une fois à tous très bon confinement à tous. Restez chez vous, protégez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous laver les mains pour éviter d'attraper le coronavirus et les mesures qui ont été prises. Donc, normalement, le confinement devrait durer 15 jours, mais on ne sait pas, peut-être que ça pourrait être prolongé. On ne sait pas. En attendant, les amis, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as apprécié et à bientôt pour des prochaines vidéos. J'espère que tu as apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, Homer The Show, pour suivre mes prochaines vidéos, voilà. Donc, n'oubliez pas, demain à 15h, décidément je me trompe. Oh là là. Je vous donne rendez-vous demain à 15h. On va faire un live, on va faire un stream sur ma chaîne YouTube. Ce sera la deuxième fois qu'on va regarder le film de Lucas Upside. Donc voilà, je vous montre. Rendez-vous demain à 15h pour ce live. J'espère que vous avez apprécié. Donc, rendez-vous demain pour le stream. Voilà, en attendant les amis, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. A bientôt pour des prochaines vidéos. J'espère que vous avez apprécié. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et de liker la vidéo, activer la notification. Pour voir les prochaines vidéos, voilà. Sur ce, portez-vous bien les amis, merci de votre fidélité, c'était Homer The Show, et à bientôt pour des prochaines vidéos, à bientôt les amis, ciao, à bientôt.